Oh, ça marche! Et ça se lance direct! Oh là là! Ah, est-ce que c'est comme... Oula, le son du jeu a l'air méga fort du fion. Attendez. Attendez. Donc, je disais Pancake House. Petite démo qui est disponible sur le Patreon de Puppet Combo. Donc c'est juste une démo, hein, ça risque d'être un peu court, mais on va voir ce que ça donne. Toujours dans ce délire de jeu rétro années 80, tout ça qu'on adore. Hein. C'est une flashlight? Non, parce que si c'est une flashlight, je la veux. Hein. Non? C'est juste une grosse lumière sur ma voiture, c'est très bizarre. Hein. D'accord. Bon, bah allons acheter des pancakes. Parfait, le son. Ok, super. Pip. On va essayer de pas se faire écraser. Il roule comme des tailles. Miaou. Il roule super vite, mais j'ai jamais arrivé à passer. Ah, maintenant. Attention. Eh ben, c'est dangereux d'aller acheter des pancakes, hein. Ouais. Bonjour. Je veux des délicieux pancakes, s'il vous plaît. Oh, ils font un bruit. Oh là, c'est pas bien isolé, hein, ici. S'il vous plaît, je veux des délicieux... Vive le vent. Madame, non, je vous bloque. Je veux des délicieux pancakes. Je suis occupée. Quoi? Mais je veux des délicieux pancakes. Bonjour. Bug of Guy. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. J'ai l'impression d'être immense, quoi. Bon, bah écoute. Oula! Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Oula, ça fout la gerbe ce sol. Monsieur, vous avez tellement lustré le parquet qu'il bouge. Vous avez vu? Bon, eh bien, tout le monde en a rien à foutre de moi, c'est génial. Casse-toi pour faire simple, ok. Si pour cette trad. Oulala! Je sais pas où je vais, hein. C'est peut-être juste ça la démo. Coucou Phoenix. Faut pas être bourré. Ah ouais, là tu vomis, hein. Tu vomis. Bah, c'est bizarre. J'ai envie d'essayer de me faire écraser. Bon, en même temps, tu me diras, à l'allure en plus à laquelle il roule, se prend une voiture en pleine face, oui, c'est violent. Mais... Non? Madame? Ah, je serai à vous dans une minute. Eh ben voilà, c'est ça que je voulais. Alors, par contre, je veux bien que tu dégages. Ah, je peux sauter. C'est bon? Mon pancake? Ah, donne-moi mon pancake! Je vais la regarder comme ça de manière creepy. Peut-être que je m'assois en fait, non? Ah, je suis pas là de pouvoir m'asseoir. Attends, est-ce que si je bluffe et que je fais comme ça... Hop! Ah, je suis assise, madame! Madame, je suis assise! Mais arrête d'aller voir ce pauvre monsieur, hein. Moi j'ai faim! Ah! Eh ben voilà, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. La preuve que non. Leave me alone.
Je vais lui piquer son pancake, hein. Mais c'est une vraie démo au bout d'un moment ou. Elle me demande de m'asseoir. Le problème, c'est que. C'est que je suis dans la capacité de m'asseoir. Ah, l'aide. Madame. Oh, le bruit des voitures. Elle... Mais madame, mon pancake. Coucou Lise. Madame. Allez, je vais être à vous dans une minute. Ça fait plus d'une minute, là. Je veux mon pancake. Je vais péter un câble. Rien d'autre, là. T'as pas un item? Oh! Ah si, j'ai un flingue. Personne m'avait dit que j'avais un flingue. Ah bah voilà, ça change tout, madame. Madame. Eh, j'ai droit à mon pancake maintenant ou pas? C'est moi qui ai senti le flingue. Et c'est moi qui ai eu super peur. Coucou Goélan, tu vas bien? Oh putain. Ah, je suis trop jeune pour mourir. Tu me donnes mon pancake? Je peux pas croire que vous faites ça. Donne-moi mon pancake. Bon bah fuck hein. Oh! Elle rampe! Mais non, tu rampes pas! Non mais... Bon bah voilà, non mais voilà ce qui se passe quand on me sert pas mon pancake quoi, au bout d'un moment, merde. Bien être patiente, hein, mais bon. Monsieur. Toujours pas de pancake. Bon, bah voilà, non mais c'est normal. Bon, est-ce que maintenant, je peux prendre des pancakes, peut-être. Des bisous, Omar. J'adore comme elle est en paix, quoi. Les pancakes. Non, je peux toujours pas prendre les pancakes. Oh, cette pause. Incroyable. Incroyable, monsieur. Alors là, vraiment. Oh. J'ai pris le monsieur. J'ai pris le monsieur. Faut peut-être que je le range quelque part. Dans le camion, dans le camion, dans le camion. What? Attends, faut que je traverse la route. Non mais attends, c'est pas logique. Je traverse la route avec mon cadavre. Je sais pas si c'est très logique. Hein. C'est dangereux en plus. Il y a une voiture de flic. Pom-poulum, poulum. Pom-poulum, poulum. Mon petit cadavre et moi. Je me suis garé où déjà? Je me suis garé si loin que ça? Se faire peur toute seule. Un pancake ou la mort. Mais. Bah non, c'est pas là. Je sens mon cadavre. Chacun ses mailles. Ah bah voilà, j'ai retrouvé mon pick-up. Non, je peux pas mettre le cadavre dedans. Ah mais... Genre, je viens de ranger le cadavre dans ma poche, quoi. Merde, attends, je suis coincé. Regardez. Hop. Voilà. J'ai le cadavre dans la main. Et hop. Je le mets je sais pas où. Pourquoi je peux plus m'approcher de la voiture? Ah. I need food first. Ah voilà, donc il faut bien que je mette les cadavres dans la voiture, quoi. Oh, ça va être galère. Y'a personne, j'ai dit, hein. Hop là. Boum 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 boum. En fait, les voitures, on les voit pas arriver de bien loin, hein. Ils sont vite sur toi quand même. Ah hein. Oh, c'était où? Oh, je cadavre et prends l'autre. Ah putain, mais oui, j'aurais pu prendre. Oh, mais je suis bête. C'est pas grave. Hop. Tac.
Oh, parfaitement au-dessus. C'était nickel. Hop. Oula. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, toujours pas de pancake for me, hein. No pancake for me. Bon. Oh. Putain, mais... De ces circulations ici? Oh, on peut pas trimballer ces cadavres tranquillou, quoi. C'est dingue. Et hop. Voilà. Voilà. C'est bon, elle finit. Il a rangé tous les cadavres. Merde. On commence tout de suite dans l'action à chaque fois. Oh, la bonne tête. Oh, on a une coupe mulet. Oh oui. Inventaire. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh. Oh là, je peux regarder. Ah oui, d'accord. La caméra se met sur le côté. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. C'est juste un mulet, mais oui. J'ai un marteau là? Il est où mon marteau? Hammer. Il y a un mec pendu là, non? Déjà, en premier lieu. Monsieur, vous êtes pendu ou non? Il y a un truc qui flotte. C'est fort! C'est pas trop fort pour vous? Si, un peu, ah. Bon, où est la porte? Bonjour? Si vous tapez T3, elle disparaît? Ça marche pas. Ça m'a mis mon zoom. Il m'a trollé. Oh là, on voit mieux le mulet là. Oh là là, ce beau mulet. Ce beau mulet. Bonjour. Vous pensez qu'il est dangereux? Monsieur? Vu que c'est un jeu pas fini, vous allez m'attaquer ou pas? Il a l'air d'avoir une belle... Oh, monsieur, c'est une belle hache. C'est une très belle hache. Ouais, alors, je vous avais prévenu, c'est des jeux pas finis, hein, donc bon bah, voilà quoi. Il est énorme. Eh, je peux même le pousser. Eh, je te pousse. Regarde, je te pousse. T'as vu, je te pousse. Allez, au coin. Au coin, t'es moche, t'es puni. Allez, hop là, voilà. Ah. Il a bien bugué, hein. Bon, on va faire un petit tour de la maison. Ah bah, je crois que j'ai fini le tour en plus. Ah oui, d'accord. Ah, bon bah écoutez, on aura vu un beau mulet. Il s'est rien passé. Non, non, il n'y avait rien du tout. Après, il l'a mis, il l'a bien spécifié que c'était des jeux pas terminés. Mais là, j'avoue, il n'y a pas grand-chose quand même. Mais on n'avait pas déjà testé ça? Il a des grosses lunettes. Est-ce que l'hôtel est vide? On vient du sud. C'est quoi ces dents qu'il a? Ça me stresse. Yes, sir. You four want an overnight stay. I've got that. Two rooms, I assume. Yes. Ah, mais il y a deux autres gens. C'est quoi cette meuf qu'on vient de voir? Great. Let me give you my card. Je viens du... Sorry, sir. Cash? Do we even have cash? Oh putain, il y a un mulet encore, je crois.
Il y a un mulet avec un petit short. Oh, le petit short. Oh oui. Ok, elle va nous montrer de nos chambres. Oh putain. Pourquoi j'ai un énorme marteau à la main? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh là 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 là. En vrai, vous voulez rire? Je trouve ça presque sexy. Bah. Bon, alors, ouais, hein, sexy, mais pas très intelligent du coup. Bah, décroise les bras, peut-être que ça va te débloquer, écoute. Hein. Bon, par contre, le personnage qu'on incarne est très choupi. Hein. Regardez, elle est trop mignonne. On dirait un peu moi avant quand j'avais ma frange. Enfin, je dis pas que je suis mignonne, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Mais non, elle est choupie, j'aime bien son design. Bon, bah. Jean-Claude, à la revoyure, hein. Si je te donne un coup de marteau au cul, ça te débloque ou pas? Je sais pas comment je frappe. Je peux encore faire la grenouille, en tout cas. Je peux cancel toute seule. Je sais pas comment j'utilise mon marteau. Si j'avais un marteau. Bah, je sais pas. Les murs sont vachement hauts. Bon, bah, allez, salut, hein. Oh, putain, j'ai perdu la madame, en plus. Madame? C'est quoi cette pièce? Oh. Madame? Elle est où la chambre? Je me suis perdue. Ah. Really? I couldn't tell. Bon, Jean-Claude, tant pis pour toi, hein, si tu te bloques. Je suis deuxième. Oula! On a vu sa bouche. On a vu l'intérieur de sa tête. Ah, comme il glisse. Tout le monde glisse. Oh putain, c'est incroyable. Bon, je rappelle que c'est des jeux pas finis. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. Ah, je peux m'enlever de la caméra. Ah, oh, c'est drôle. Oh là là. Mais cette tenue, Jean-Michel, sérieux. Elle a dit quoi, la madame, du coup? J'ai rien écouté. Ah bah, Jean-Michel est couché, ça y est, il fait déjà la sieste. C'est vrai que c'était une dure journée. J'ai peur de retomber vers l'infini et l'au-delà. Je vois rien. Alors, je vois rien du tout, quoi. Bah là, rien sur 20. Je saurais même pas dire où je suis. Oh, on voit juste mes petites lunettes. Badum. Bon. En tout cas, voilà, ne croyez pas que les jeux Puppets sont pas bien. Hein. Là, c'est fait exprès, entre guillemets. Le jeu est absolument pas fini. Il a prévenu. Et tout est noir. Je suis pas sûr qu'il y ait autre chose en fait dans le jeu. Et donc Busso, c'est... on y avait joué pareil. Vous pouvez retrouver la vidéo, je crois, sur YouTube. Des nanas, des étudiantes, je crois, qui sont kidnappées. Ah, on est direct dans le jeu. Pourquoi il y a un énorme poulet? Putain, ça commence bien. On est des étudiantes qui se font kidnapper, il me semble. Et on se réveille dans cet endroit chelou. Et on est en plein live stream. Vous voyez, on est en live. C'est marqué. Et je pense qu'on est sur le dark web. Parce que, voilà. Si, je vous invite à peut-être pas trop lire le chat qui est sur le côté. Parce que c'est pas des enfants de cœur. Mais voilà. Et en fait, c'est un espèce de parcours d'obstacles. Oh, ah ouais, j'avais oublié que la maniabilité par contre était dégueulasse. Oh, c'est violent. Oh putain, c'est injouable. Oh bordel. Oh bordel. Alors. Mais en vrai, le principe et l'idée est rigolote. Hein. Le concept est sympa, mais par contre, la maniabilité est affreuse. Ouais, je peux courir. Ok. Qu'est-ce que fait Monica? Pourquoi il y avait un poulet? Là, on va.
Yes, j'ai tué ma première fille. Parfait. Donc maintenant, je joue Rosanna. Oh, bienvenue Rosanna. Combien de temps vas-tu tenir, toi? Bienvenue Jessica. Combien de temps vas-tu tenir? Est-ce que je peux me baisser peut-être? Moi, la porte est ouverte, j'y vois quelque chose. Putain, mais c'est la première salle du jeu, hein, s'il vous plaît. Attends, mais comment je passe? Ok, attends. Déjà, il faut que je me tourne dans le bon sens. Dès qu'elle arrive à ma hauteur, j'y vais. Maintenant. Oh putain. On peut sauter. Ah oui, on peut sauter. Ah oui. Attends, c'est Akila. Et pas Akira, attention. Oh! Yes! Ok. Non mais la maniabilité est horrible. Genre, regardez comment je bouge comme un... un tracteur, c'est n'importe quoi. Oh putain de merde. Je suppose qu'il faut pas que je tombe. Ça va être très très dur. Kiki, qu'est-ce que tu fais avec le tapis? Attends, est-ce que là je sens bien que je vais sauter dans le jambon, ça va me bloquer. Putain, mais j'ai glissé quoi, à l'aide. Il me reste plus que 5 filles. Hein. Je sais pas de quel côté je vais en plus. Ça glisse! Ça glisse de ouf, c'est une catastrophe. Cœur, ça redonne des vies. Oh! Eh ben, j'ai récupéré un cœur juste avant de crever. Non, mais c'est trop dur. C'est abusé. En fait, c'est super dur de gérer son saut là. Oh! Mais elle glisse! Elle glisse! Genre, bébé, enlève tes godasses, quoi! Je vous jure, je m'arrête. Je fais pas exprès d'aller dans le truc. Hein. Je m'arrête juste avant, mais elle glisse. Il y a une espèce de latence chelou. Mais c'est un truc de malade. Enlève le beurre. Je suis obligé de faire des micro-pains, parce que vu comme elle a des patins glaces sous les pieds. Ah, et dans tous les cas, je vais être obligé de sauter, hein. Y'a quoi face à moi, là? Y'a un truc qui bouge. Ça va être extrêmement long, hein. Il y a un cœur. Je me suis dit, si je me prends en retour, laissez tomber quoi. Petit pas. Ah ouais, là c'est. Putain. Alors là, ça va être compliqué parce que je vois pas où je vais. La caméra à l'aide. Mais je vois pas. Non, ça peut le faire. Je crois que c'est ma dernière fille en plus. Hein. Oh putain, ça sent la mort instante. Je peux pas. Je peux pas. J'ai réussi à passer une salle, je veux pas là. Y'a rien de ce côté. Oh putain de merde. Ça va être compliqué. Hein.
Ok. Évidemment, il y en a plusieurs. Ouf. En plus, la caméra est folle. Ok, non, mais je sais pas ce qui se passe là, mais c'est ouf, hein. Tout ce que j'ai avancé, quoi. Oh ouais, j'ai gagné deux filles. On a avancé tellement loin. C'est abusé quand même, la difficulté, c'est violent. C'est clairement pas le jeu que je... Je suis où? Allô? C'est génial, je vois rien. Ouais, mais je vois même pas la... Je comprends même pas la salle. C'est abusé. C'est abusé, quoi. À l'aide. Là, avec la caméra, je comprends rien.